attira chez nous des millions d'Italiens, d'Espagnols, de Marocains, ou encore de Turcs, venus aider notre pays à se reconstruire après, et les Grecs si vous voulez. Venu aider notre pays à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Des immigrés qui sont aujourd'hui fiers d'être belges et qui constituent le visage du Hainaut du 21e siècle. Ce Hainaut du courage, ce Hainaut de la détermination, ce Hainaut du partage et de la solidarité, ce Hainaut dont la plus grande richesse, et vous le démontrez aujourd'hui, est la gentillesse de ses habitants. Ce Hainaut, qui était jadis la région la plus riche et la plus prospère du pays, mais que les socialistes et le pouvoir en place ont transformé en zone sinistrée. Porte-drapeau de la misère humaine, ravagé par la corruption, le copinage, et dont le plus grand fléau se nomme les parvenus. Ces parvenus politiques, essentiellement socialistes, qui squattent les bancs du Parlement depuis des années et qui n'ont en fait que deux et uniques compétences. La première, c'est la mauvaise gouvernance. Et la deuxième, le mensonge. Depuis des années, ces irresponsables politiques ont vendu la Belgique aux banques et aux lobbies en tout genre. Ils ont vidé les caisses de l'État pour enrichir leur patrimoine et leurs petits amis qu'ils ont placés aux quatre coins du pays. Depuis des années, ces irresponsables politiques ont creusé toujours plus la dette de l'État. Cette dette s'élève aujourd'hui à près de 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros. Mais où est passé cet argent? Mais je vais vous le dire où il est passé cet argent. Ils nous l'ont volé. Volé. Comme ils ont volé notre confiance à coups de fausses promesses et de slogans racoleurs. Volé. Comme le président du Parti Socialiste, sénateur fantôme et accessoirement bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, a décidé de voler l'aumône récoltée par les SDF qui commettraient le crime de ne pas se soumettre à l'agenda décidé par les autorités communales pour la mendicité. Comment peut-on tomber aussi bas? Comment des dirigeants politiques qui se disent en plus socialistes peuvent-ils décider de saisir l'argent des quelques euros des SDF pour un prétendu non-respect à un obscur règlement communal? Et sincèrement, vous savez ce que je pense des règlements communaux. Et ce PS, en fait je n'ai connu que lui depuis que je suis né au pouvoir, le PS, toujours le PS et encore le PS. Et ce PS, il osera encore venir nous dire durant la campagne électorale qu'il a le monopole du cœur. Aujourd'hui, je n'ai pas le peur de le dire, le PS n'a qu'un seul, monopole. Le monopole de la trahison. Di Rupo, il nous avait dit, Di Rupo, en 2010, que sans lui, notre pays connaîtrait un bain de sang social. Avec lui au pouvoir, ce n'est pas un bain que nous avons pris. Non, c'est une véritable douche froide. Parce que jamais,
Jamais aucun gouvernement ne se serait attaqué autant à nos acquis sociaux que le gouvernement d'Iropo. Jamais encore aucun gouvernement en Belgique n'avait décidé délibérément de s'attaquer aux pauvres et aux chômeurs. Et Elio, lui, il a osé le faire. Et il n'y a pas à dire. Elio nous a bien entubés. Allez, oserais-je ? Ne tournons pas autour du pot, vous savez que j'aime être franc et direct. Alors disons-le simplement, Elio nous a bien enculés. Ça fait du bien de lui dire ce qu'on pense. Il n'oserait pas venir écouter les doléances du peuple. Il préfère les réceptions, les salons feutrés. Mais écouter ce que le peuple a à lui dire, il n'a pas envie. Donc, je m'octroie le droit de le lui dire. Et avec ses costards à plus de 3000 euros. Son stupide nœud papillon. Son nœud papillon à plus de 2000 euros et son sourire Colgate, il nous avait promis de défendre le peuple d'en bas. Aujourd'hui, d'en haut, ce peuple d'en bas, il l'a enfoncé encore et encore dans la misère, dans la précarité, dans la pauvreté. Elio est fier de dire qu'il a encouragé nos usines à investir en Chine ou ailleurs en Europe. Mais il n'a rien fait, Elio, pour éviter que des dizaines d'usines ferment dans la région. Il s'est démené pour faire venir deux pandas géants, pour enrichir ses amis actionnaires du parc Péridaïsa. Mais qu'a-t-il fait pour les travailleurs d'HEC, de Carsit, de Saint-Gobain ou de Caterpillar? Rien! Enfin rien, si, quand même, soyons de bon compte, il a quand même décidé de chasser les chômeurs pour créer encore plus de précarité, plus de pauvreté, plus de difficultés, comme si nous n'en avions déjà pas assez. Et aujourd'hui, l'heure est venue pour Elio et ses amis du gouvernement, qu'ils soient du Parti Socialiste, du MR, du CDH, ou des colos, de payer pour les décisions qu'ils ont prises depuis qu'ils sont à la tête de notre pays. Ces gens nous ont tout simplement menti, ces gens nous ont trahis, ces gens se moquent, se sont moqués et continueront de se moquer de nous si nous ne faisons rien. Ils ont cru que le peuple allaient tout accepter sans broncher. Ils ont cru qu'avec leurs médias mensonges, ils allaient pouvoir nous faire tout avaler. Ils ont cru pouvoir nous manipuler et nous endormir. Au contraire, ils ont réveillé la colère du peuple de Belgique. Aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles, des milliers de Belges sont debout. Debout contre l'imposture. Debout contre le mensonge. Debout contre la misère. Debout contre ce monde politique qui a renié toutes ses promesses. Debout contre ces élus qui font tout simplement honte à notre pays et qui tous les jours nous font pleurer. Pleurer de tristesse. Et depuis sa création, il y a environ 4 mois, notre mouvement politique et citoyen Debout les Belges n'a cessé de se développer. À ce jour,
nous avons largement dépassé le cap des 5000 adhérents. Plus de 5000 adhérents, c'est tout à fait exceptionnel pour un nouveau mouvement politique en Belgique qui n'existe que depuis 4 mois. Mais ce qui est encore plus exceptionnel, mes chers amis, c'est qu'en quelques semaines, grâce à la mobilisation de tous les militants, nous avons réussi l'exploit. Cet exploit de récolter non pas 5000 signatures, mais plus de 6000 signatures. Cet exploit, ce n'est pas le mien. Cet exploit, c'est le vôtre. Parce que sans vous, et sans vous, sans votre détermination, sans votre engouement, sans votre soutien, je ne serai rien. Et jamais, jamais nous n'aurions réussi un tel exploit. Sans vous, je ne suis rien. Avec vous, on peut changer la Belgique. À nos côtés pour récolter ces signatures, en sacrifiant vos loisirs, vos temps libres ou votre famille, pour toutes ces heures passées, dans le froid. Je n'ai vraiment qu'un mot à vous dire. Il est simple, mais je peux vous assurer qu'il vient du fond du cœur. Ce mot, c'est tout simplement merci, merci mille fois pour tout. Plus de 6000 signatures. Et cela signifie que l'on pourra voter pour Debout les Belges le 25 mai prochain à Bruxelles. Nous pourrons tous faire le choix du changement pacifique dans la bonne humeur, mais du changement radical aux élections régionales, fédérales, mais aussi européennes. Pour un mouvement qui est totalement censuré par les médias et qui n'a jamais la possibilité de participer au débat politique, c'est tout simplement extraordinaire. C'est tout simplement une première dans l'histoire politique de notre pays. Et cependant, même si l'objectif des signatures est atteint, il faut se dire que nous ne sommes encore nulle part. Le combat ne fait que commencer. Et il nous faudra encore fournir beaucoup d'efforts durant la campagne pour atteindre nos objectifs. Nos objectifs,
Ils sont ambitieux. Ambitieux mais simples. Continuer, encore et toujours, à éveiller la population en lui donnant une information convenable, en contrebalançant les mensonges proférés par les merdias. Éveiller la population tout en lui donnant de l'espoir. L'espoir en un monde meilleur. L'espoir en un monde plus juste. L'espoir tout simplement en un monde plus humain. Et un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, des candidates debout les Belges porteront ce message d'espoir dans la joie et la bonne humeur qui nous caractérise, mais toujours avec fermeté. Fermeté parce que nous ne voulons pas nous laisser compromettre. Fermeté parce que nous ne voulons nous allier avec aucun parti traditionnel qui existe aujourd'hui en Belgique. Tous ces connards ! Fermeté, car nous ne voulons plus des vendus qui squattent les bords de nos parlements. Nous ne voulons plus de ces politiciens qui sont créateurs de problèmes. Ce que nous voulons, bon Dieu, ce sont des responsables politiques qui soient créateurs de solutions. Nous ne voulons plus de ces politiciens qui multiplient les taxes et qui s'en prennent toujours aux plus faibles d'entre nous. Nous, ce que nous voulons, ce sont des élus proches du peuple, des élus qui connaissent les difficultés du peuple. Nous voulons tout simplement des élus du peuple et non des fils à papa. Nous voulons des élus libres, libres et indépendants, et non plus des élus qui ne sont que les petites mains de la franc-maçonnerie, ouais, des lobbies bancaires, agroalimentaires, ouais, ou pharmaceutiques. Ouais. Nous voulons des élus qui fassent honneur à notre pays, et non des détraqués qui donnent de notre beau pays une image détestable, comme le fait aujourd'hui notre ami Diropo. Nous voulons le changement, un changement radical qu'aujourd'hui, Debout les Belges est le seul à proposer aux citoyens belges. Comme moi, nous en avons assez de voir notre quotidien être dicté par des politiciens totalement déconnectés de la réalité. Des politiciens qui gagnent des fortunes et qui ne cessent à longueur de temps de nous enlever le pain de la bouche. Sincèrement, je voudrais bien que Di Rupo et ses sbires, qu'ils essayent de s'en sortir avec des salaires de 1100 ou 1300 euros par mois, comme la majorité d'entre nous doit le faire. C'est clair qu'ils seraient les premiers à se plaindre. Nous ne voulons plus de ces élus qui sont nés avec une petite cuillère en argent dans la main. Nous avons besoin de responsables politiques qui connaissent notre réalité, qui savent ce que c'est que la vie, qui font leurs courses et qui savent ce que c'est que d'avoir du mal à terminer le mois, ou qui connaissent la détresse de ceux qui, parmi nous, n'ont plus rien dans leur frigo. Chez Debout les Belges, nous ne voulons pas de parvenus. Nous ne voulons pas de ces pseudo-élites qui squattent les premières places des listes électorales des partis politiques traditionnels, parce que ces gens, tout simplement, ne nous représentent pas. Nous voulons de vrais citoyens, des gens comme vous et moi, à la tête de ce pays, et non des guignols en costume trois pièces. Vous savez, j'ai l'habitude qu'on me prenne pour un con, que ce soit
auprès des politiciens ou dans les médias. C'est ce qu'ils font croire. Mais je dirais que contrairement aux élus actuels, nous avons le bon sens. Et ça, mes chers amis, ça vaut tous les diplômes du monde. Nous ne pensons pas, contrairement au Parti populaire du Châtelain-Modricavène, que les immigrés ou les musulmans soient les responsables de nos malheurs. Non. Chez Debout les Belges, ces responsables sont clairement identifiés. Ces responsables, ce ne sont pas les musulmans, ce ne sont pas les étrangers, mais bien les irresponsables politiques qui sont des gauches. Chez Debout les Belges, nous ne pensons pas, contrairement au PTB, que les patrons sont les responsables de la fermeture de nos usines et qu'il faille en revenir au temps de la lutte des classes. Non, chez Debout les Belges, nous ne travaillons pas à opposer les citoyens les uns aux autres. Nous travaillons pour la réconciliation et l'unité nationale. Nous savons que sans les patrons, il n'y a pas d'emploi. Mais nous savons aussi qu'il faut que la relation entre le patron et l'employé, l'ouvrier et le travailleur soit juste et équitable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous savons aussi que si nos usines ferment, ce n'est pas à cause des patrons, c'est à cause de l'Europe. Cette Europe que nos politiciens ont créée, qu'ils ont créée sans nous demander notre avis, et qui aujourd'hui est créatrice de concurrence déloyale. Comment voulez-vous que nos usines survivent? Si en Roumanie, un pays membre de l'Union Européenne, le salaire moyen est de 350 euros par mois, alors qu'il est chez nous, pour ceux qui ont de la chance, d'environ 2300 euros. C'est intenable, intenable. Et ça, mes chers amis, ce n'est pas de la faute des patrons. C'est de la faute de nos élus qui ont mis nos travailleurs en danger en créant l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Chez Debout les Belges, nous ne pensons pas, contrairement au PTB encore, qu'il faille instaurer chez nous un impôt sur la fortune. Oh, pas que nous ne voulons pas taxer les riches, ça ne me dérangerait pas. Mais parce que nous savons toutes et tous que cet impôt ne marche pas et qu'il contribue à l'appauvrissement à long terme de notre pays et la France. Notre voisin français en est un parfait exemple. Et au lieu d'encourager les riches à quitter notre pays, sincèrement, je préfère les encourager à rester et à consommer afin de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État pour ainsi offrir de meilleurs services à la population. Vous savez, en période électorale, il faut faire attention aux beaux slogans qui attirent, mais qui sont vides de sens. Taxer le riche, c'est un beau slogan, mais ça ne marche pas. Et en plus, cela crée une nouvelle fois des oppositions entre les travailleurs. On monte les uns contre les autres. On crée des inégalités. C'est ce que nos partis politiques traditionnels et leurs opposants font tous. Créer des oppositions. D'ailleurs, la nature même d'un parti politique est de créer l'opposition. Mais ce que nous devons faire, au contraire, mes chers amis, ce que nous devons faire, c'est nous unir, riches, pauvres, chrétiens, musulmans, athées, francophones, néerlandophones, patrons, employés, ouvriers, nous unir et marcher main dans la main pour offrir un avenir digne de ce nom à tous nos enfants.
Mais si je vous parle du PP ou du PTB, c'est parce que je tiens aussi à lutter contre les fausses oppositions au pouvoir en place. Ces partis politiques que j'appelle des leurs. Lors des prochaines élections, de nombreux petits partis se présenteront aux électeurs. Ils surferont tous, sur le rejet du pouvoir en place. Ils vous promettront tous de faire mieux que blablabli, blablabla. On connaît la chanson. Toujours le même. J'ai analysé, bien entendu, les programmes de ces petits partis, dont certains, comme le PP ou le PTB, sont crédités de bons scores dans les sondages des médias. Mais je peux vous dire que ces partis ne sont que des oppositions du pouvoir, des leurs, qui s'allieront dès que possible, soit avec le PS, soit avec le MR, pour accéder à ce dont ils rêvent, le pouvoir. Contrairement à eux, Debout les Belges est la seule opposition, non pas du pouvoir, mais la seule opposition au pouvoir en place. Debout les Belges, c'est le seul mouvement politique qui pointe les véritables responsables de la situation dramatique dans laquelle nous sommes. Mais c'est aussi le seul mouvement politique qui est prêt à proposer une sortie de l'Union européenne et de l'euro. Soyons clairs, sans une sortie de l'Europe actuelle, cette Europe qui est le produit des États-Unis et de la mondialisation, aucun avenir meilleur ne sera possible. Tous ces partis politiques qui vous promettent monts et merveilles sans sortir de l'Europe ne font que copier les partis politiques en place. Ils mentent et ne sont que les marionnettes des lobbies qui dirigent ce monde et qui veulent nous imposer le nouvel ordre mondial. Ouais. En ce qui me concerne, vous devez le savoir, je ne rêve pas de pouvoir. Je ne rêve pas de devenir ministre. Mon seul et unique rêve est de voir mon pays se redresser et surtout se libérer. N'est pas de faire de Debout les Belges le plus grand mouvement politique du pays. Non. Mon rêve est de voir Debout les Belges disparaître. Ce jour-là, mes chers amis, ça voudra dire que nous aurons quitté le règne des partis politiques pour nous engager dans la voie de la véritable démocratie. Une démocratie sans partis politiques. Une démocratie sans politiciens, de père en fils. Une démocratie sans parvenus, mais une démocratie où seuls les citoyens décideront, non pas dans l'intérêt des banques, comme c'est le cas pour nos élus actuels, mais bien dans l'intérêt du peuple. La démocratie du peuple, par le peuple et pour le peuple, en lieu et place de cette particratie par les partis politiques, pour les élites financières, au détriment du peuple. Voilà, voilà la révolution que nous voulons mener en Belgique. La révolution du papillon est en marche. Ouais. La révolution du papillon est en marche, mes chers amis. Et qu'Elio se le dise. Qu'Elio se le dise. Son nœud papillon. Nous sommes bien déterminés à le lui faire bouffer. Et parce que j'ai envie de participer pleinement à cette révolution. Parce que je souhaite être aux premières loges pour admirer l'échec de celui qui nous a tant fait souffrir.
parce que j'en ai marre des parvenus. De marre de ces parvenus qui règnent en maître dans certaines communes de la province du Hainaut. Parce que j'en ai marre de voir ce Hainaut dépérir, ses usines fermées, ces jeunes se retrouver de plus en plus à la rue, sans domicile, sans travail, sans argent. Vive les soldats de la famille ! Parce que je n'accepte pas que nos frigos soient de plus en plus vides. Parce que j'en ai assez de voir la misère se développer chez nos seniors. Parce que j'en ai plus cassé que les milliards d'euros d'aide européenne que le Hainaut a reçus aient été utilisés pour arroser les petits amis du PS au lieu de servir au redressement de la région. Parce que j'en ai marre qu'on nous emmerde avec des pandas au lieu de s'occuper de la misère humaine. Sous le regard réjoui d'Elio Di Rupo et de ses amis, parce qu'entre nous, je n'accepte plus que le pays soit dirigé par un pervers dont le nom est cité dans de nombreux dossiers concernant des faits de meurtre à l'égard de mineurs. Parce que j'ai également à cœur de faire payer à cet individu. Je vous l'avoue, j'ai envie de lui faire payer les humiliations qu'il m'a fait subir dans les cachots de la police communale de Mons. Mais parce que je souhaite surtout débarrasser la région et le pays de la vermine qui les ronge, tout en libérant le Hainaut de mes ancêtres du mal qui l'opprime, ce virus socialiste qui ronge nos corps et nos esprits plus durement que le pire des cancers, parce que tout simplement, j'ai envie d'être le premier à faire bouffer Elio son nœud papillon. J'ai décidé, mes chers amis, comme Elio le sera pour le PS, d'être tête de liste, debout les Belges, aux élections fédérales. Tout le monde m'attendait à Bruxelles. Il n'en sera rien parce que je ne fais même pas confiance à leur fameux vote électronique. Je ne me présenterai donc pas à Bruxelles, mais bien en terre socialiste. Et c'est ici que je mènerai campagne. Car c'est ici. C'est ici dans le Hainaut que la misère est la plus présente. C'est le Hainaut qui a été le plus frappé par l'épidémie socialiste. C'est donc ici, c'est ici qu'il faut en premier lieu lancer la révolution du papillon. Alors mes chers amis, faisons savoir à Elio ce qu'il attend. Reprenons tous en cœur, Elio, on va te le faire bouffer. Et encore une fois, Elio, on va te le faire bouffer. Extraordinaire. Là, je crois qu'il l'a senti. Hein. Mes chers amis, notre pays n'a jamais traversé une période semblable à celle d'aujourd'hui. Après le grand désordre, nous devons reconstruire de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles sociaux, de nouveaux modèles démocratiques. Nous avons donc, toutes et tous, rendez-vous avec l'histoire.
Les élections de mai 2014, elles seront capitales. Soit nous nous engageons dans la voie de la renaissance, soit nous poursuivrons notre descente aux enfers. Depuis 30 ans, l'Europe a tout fait pour effacer notre amour de la nation. Depuis près de 40 ans, les élites qui veulent nous imposer la pensée unique ont confondu le sentiment national, qui est hautement respectable, avec le nationalisme, qui est une idéologie profondément dangereuse. L'amour de la patrie ne peut se confondre avec la haine des autres. Il n'y a pas de mal à aimer notre pays. Ce n'est pas un crime, même si vous voulez nous le faire croire. La haine de soi débouche toujours sur la haine des autres. Et quand on n'aime pas son pays, il est impossible de tendre la main aux autres. Chez Debout les Belges, nous sommes des patriotes. Car la nation, mes chers amis, cette nation, ce pays, cette Belgique, c'est le seul bien. C'est le seul bien pour ceux qui n'ont rien. Nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Debout les Belges, nous sommes tout simplement le peuple de Belgique. Ce peuple uni, quels que soient nos statuts, nos religions ou nos origines. Même compagne ensemble. Elio et ses amis marchent derrière le drapeau rouge, ou pire, derrière le drapeau européen. Nous, vous, tout à l'heure, durant tout le trajet, nous avons marché derrière le drapeau belge. Le drapeau noir, jaune, rouge, faites-les flotter, c'est tellement beau. Le drapeau noir, jaune, rouge, car si nous nous engageons, ce n'est pas pour défendre une idéologie particulière, non. Si nous nous engageons, c'est tout simplement pour donner un avenir à notre pays. C'est pour donner un avenir à nos enfants que nous avons décidé de nous lever contre le pouvoir en place. Ce pouvoir qui nous presse comme des citrons depuis des années. Ce pouvoir qui nous impose de travailler plus pour toujours gagner moins. Ce pouvoir qui nous méprise. Ce pouvoir qui nous opprime. Ce pouvoir qui nous a réduit à l'esclavage moderne. Alors, debout mes amis, debout, nos enfants comptent sur nous, debout.